est chez Dupin, on est au 20 boulevard des Filles du Calvaire. Ce qu'on a de particulier, déjà on fait tout maison, c'est assez rare dans la profession. Pour les farines, on travaille uniquement en farines d'Île-de-France, hein, qui sont toutes bio. Tout le pain est bio, certifié. La caractéristique un peu de nos pains, c'est qu'on travaille essentiellement au levain. On utilise de la levure uniquement dans notre baguette pour avoir des grosses alvéoles comme on aime. Mais sinon, tous nos pains sont travaillés au levain, le vin naturel qu'on fait nous-mêmes au fournil. J'ai une équipe de boulangers, une équipe de pâtissiers. On n'a que des passionnés. Et vu le type de produit qu'on fait, on ne peut avoir que des passionnés parce que c'est plus dur qu'ailleurs. Tout est fait maison, les fonds de tarte sont faits maison, les fruits arrivent entiers, frais, les oignons qui vont dans l'œil quiche arrivent entiers, frais, faut les éplucher, faut les cuire. Tout ça, c'est des choses qu'il n'y a pas forcément dans les boulangeries, on va dire, standards. On a une clientèle essentiellement d'habitués du quartier. On a une clientèle qui vient parce qu'elle a entendu parler de nous, qui vient goûter, etc. On a des clients qui viennent de banlieue essentiellement le week-end pour s'approvisionner pour toute la semaine. Et après, on a une clientèle de touristes puisque le boulevard devient de plus en plus touristique. On est arrivé troisième au prix de la meilleure baguette de Paris. Donc c'était il y a 2 semaines et grosse fierté pour la maison parce que ça affiche un peu, nos clients sont contents, voient qu'on est un peu reconnus, donc ils ont bien choisi leur boutique. Quand on commence, on s'arrête plus en fait. Quand on commence à y prendre du plaisir, on est heureux au travail et quand on est heureux au travail, on peut y passer des heures sans problème. C'est un métier qu'on fait pour que les clients soient heureux en sortant du magasin. Voilà.